merde, de misère, je suis dans la merde. Comment je vais sortir de l'hôtel maintenant? En plus, il y a des gros vigiles en bas. Oh là, les gars, je peux pas sauter par la fenêtre. Peut-être je peux sortir par là. Putain, fais chier. Je peux pas passer par là, c'est dans la série. J'ai pas le choix. Avec le GOAT, on est là les gars, Tati Daniel, salut, c'est le S. Je vais venir, ça va, lui, hein. Je vais venir casser la télé chez toi. Hein. Moi, je te casse la gueule. Hein. Ah bon? Ah, j'ai une batte. Bon, la team, après la défaite de l'OM, il n'y a qu'une seule chose qui peut me remonter le moral, les gars. Là, je vais aller à mon endroit préféré dans Paris. Sur la vie de ma mère, c'est mon secret le mieux gardé, les gars. Jamais je voulais partager, je vous en ai jamais parlé. Là, je vais aller faire un tour, les gars. Vraiment, c'est la caserne d'Ali Baba. Oula. Regardez la team, on est sur la place. Ici, secret. Sésame, ouvre-toi, j'espère que c'est ouvert. Wesh, ouais, ça va ou quoi? Tranquille, bien? Tranquille. Ça va, Adrien? Ça va et toi? Les gars, on dirait pas un mélange de Adrien Rabiot et un mélange de Verratti. Tu leur as dit que t'es venu à Paris juste pour nous voir? Bah, logique, frérot, logique. La caserne d'Ali Baba, les gars. C'est mon secret le mieux gardé. Eh, hey, frérot, trop content de repasser? Je vais jeter un coup d'œil, ouais, grave, c'est un petit moment. Je voulais acheter le maillot de Messi pour toi. Mais... Eh ouais, non, vous mettez pas, surtout pas après la défaite. Il n'y a pas de télé d'ailleurs là ici. Il n'y a pas de télé, mais si tu casses le mur. Dis-moi, Adrien, je t'avais demandé la paire Travis Scott, c'est important. Bah, la Travis Scott, c'est celle-là, mais moi je pense que ce qu'il te faut, c'est le modèle d'Mbappé. Le quoi? La Jordan Dior, c'est celle qu'Mbappé y porte. C'est vrai que je l'ai vu porter celle-là, là. Frère, tu sais quoi, c'est pas le moment de me parler de Mbappé. Je te jure, c'est pas le moment. L'OM, ils ont perdu, le PSG, ils ont gagné. Elles sont très belles, hein, par contre, je dis pas le contraire. Il y a même plusieurs déclinaisons. T'es incroyable, incroyable. Je te jure, c'est pas le moment. Pas le moment, frérot. Mais sinon, t'as quoi? Oh, celle-là, elle peut être bien, celle-là. Regarde, avec les clous en dessous et tout. Bah, ça, c'est pour les joueurs de Marseille, ça. Ouais, c'est pour... pas sur leurs appuis. Pour Mbamba, les gars. Mbambit, hier, il nous a mis dedans. On prend un carton rouge. Regarde, Mbamba, il te faut des crampons comme ça. Faut pas que tu glisses, mon pote. Faut pas que tu glisses comme un maïs, je te jure. Mais en tout cas, ouais, elles sont très belles. Il y a celle-là aussi, frérot. Pécho Kelly Jenner. C'est Travis Scott, ça aussi. Travis Scott. Pas mal. Et à côté, la paire 2009. 2009 2009, 13 ans. Elle est plus vieille que la plupart de... Snapchat n'existait même pas encore, frérot. Et ouais, 2009. Mais ça, c'est Nike Yeezy. C'est super, super. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu m'embrouilles ou quoi? Yeezy, c'est chez Adidas. Et... C'est Kenny. Tu peux pas te la vendre. Tu verras ça nul. Thor. C'est Cop. La vérité, elles sont belles, mais 5000, ça fait un peu cher, frérot. Mais tu seras le seul à les avoir. Imagine toutes les meufs. Mais j'imagine que je suis le seul. 5000, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent payer ça. Il y en a qui les veulent, genre, il y en a beaucoup. Bah, c'est 2009, c'est introuvable. Donc, c'est pas une question de prix, c'est une question de rareté. Chez Kiki Kicks, on ne vend que de la collection. En plus, tu sais très bien, tu peux la payer en plusieurs fois sur le site. C'est vrai, c'est vrai. Même là, c'est juste. Mais la prochaine fois, on va voir. C'est rentable, c'est un investissement. De fou, de fou, de fou. Mais c'est incroyable. Grave. Tu la mets dans un coffre, tu la revends dans 10 ans, elle va prendre de la valeur, c'est sûr. Et par contre, c'est quoi ce c'est quoi ce truc? C'est de l'art? Ah, c'est de l'art. C'est de l'arnaque. C'est Jordan 1 Chicago. C'est fait avec des clous. Imagine le temps qu'il a mis. Ah, c'est okay. C'est Jordan Ayou? Ouais, Jordan Ayou. Ah, incroyable. Je savais pas qu'il y a des clous dans sa chaussure. On a l'explication. Eh ouais, ça, c'est Valère Germain, ça. Ah, tout s'explique, les gars. Je comprends pourquoi Germain, il n'arrive pas à tirer, les gars. Il a des clous dans la chaussure, sur la vie de ma... Pour le film, oui. J'étais obligé de lui mettre les lumières bleues pour l'OM. Merci, t'as respecté ma condition. Aux couleurs de l'OM, les gars. Magnifique. Elles sont belles. Que des belles Yeezy. Je les ai, celles-là. Je les ai. Ben ouais, logique. Je vais pas vous montrer mon zizi, les gars. Ah, ça tue. Oh là là, ça, c'est ma petite caserne aussi. C'est mon petit coin à moi en Paris. Eh, c'est incroyable. Sésame, ouvre-toi. Frérot, c'est ma petite caserne, ça. C'est la première fois que j'en parle à ma communauté. Jamais je leur ai parlé. Regarde la carte. C'est celle-là, frérot. C'est celle-là que je voulais. Chim, 100% vrai, 100% authentique, les frères. C'est les gars. Je viens pour ce week-end. Pour... T'imagines, frère. Et frère, c'est le rêve. Des perles, tu peux. Des perles. Allô, c'est bon? Ou par contre, j'ai la flemme d'essayer, frère. J'ai la flemme. Installe-toi, j'ai une solution. T'as même pas à bouger. C'est vrai? Même pas à bouger. Incroyable. C'est parti. Je te fais confiance, frérot. Je le kiffe, ce canapé, les gars. La vie de ma mère. C'est... Je tape mes meilleures siestes dessus. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez ce filtre. Tu peux essayer ta paire de baskets. Non, mais regardez. Oh là là. On va, les gars. Regardez, vous pouvez essayer sans bouger, les gars. C'est un filtre. C'est pas un truc de malade.
Ouais, il me la faut celle-là. Merci frérot. Elle est incroyable. Je sais que c'est beau, mais c'est trop cher. Et là, ils n'ont pas les moyens. C'est pour ça que je fais pas le crevard. Je me lâche, les gars. On vous offre pas une paire, trois toits arrière. Dans 24 heures, il va tirer au sort, les gars. Dis-moi ou pas, frérot, la vie. Voilà, les gars. Il suffit juste de follow. C'est parmi les ajouts. Dans 24 heures. Il t'ajoute juste, il t'a deux meufs que tu vas tour, les gars. Les paires. Oh, c'est trop mignon, ça. Je crois qu'on est tous sous le choc, les gars. La reine. Je crois qu'on est tous sous le choc, les gars. La reine Elisabeth nous a quittés à l'âge de 96 ans. Toutes mes condoléances. Je ne sais pas si vous réalisez, les gars. La reine d'Angleterre, elle a vu la crise de Wall Street en 1929. Elle a vu la première Coupe du monde de foot en 1930. Elle a vu la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, l'indépendance de l'Algérie, la crise de Cuba. Elle a vu l'homme marcher sur la Lune. Elle a vu la guerre froide. Elle a vu la chute du mur de Berlin. Mais de toute son existence, elle n'a pas vu le PSG gagner une Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte? La reine d'Angleterre ne verra jamais le PSG gagner la Ligue des Champions. Jamais. C'est trop tard, les Parisiens. Pourtant, elle vous a laissé du temps. Vous avez eu le temps de lui montrer. Et elle est partie sans voir ça, les gars. Les Parisiens, c'est fou quand même. C'est incroyable quand même. Vous réalisez, les gars, ou pas?